Bonsoir, bonsoir mes chers amis. Je vais un peu innover ce soir et au lieu de commencer par une musique, je vais commencer par une description. Cette description va être celle, hop, celle et euh, eh bien de la grande femme dont je vais parler ce soir, qui est Tatiana Festerling. Cet euh, épisode de, de Dîner Express va ressembler un peu à celui que j'avais fait euh, sur Arnaud Gouillon. Euh, sauf que cette fois, on va parler d'une femme allemande, mais on en arrive aux mêmes conclusions. L'avenir politique des militants nationalistes est à l'est de l'Europe. Je vais d'abord décrire euh, en quelques mots Tatiana Festerling. Ensuite, on va lancer un générique. Pendant ce générique, je vais vous demander de partager cette vidéo sur tous vos réseaux. Je sais que je le demande à chaque fois, mais à chaque fois, vous oubliez. La preuve, c'est que quand je mets un petit coup de boost et que j'en parle, tout à coup, ça augmente les vues. C'est important parce que là, on va, ne on va pas faire une émission pour s'amuser. On va parler de choses politiques sérieuses. Deux éléments dans cette vidéo de, de moments. D'abord, je vais vous parler de l'évasion de Tatiana Festerling de l'Allemagne vers la Bulgarie. Et euh, enfin, en tout cas ça va être un des points. Le deuxième c'est je vais revenir sur l'élection euh, en Roumanie avec la, la victoire de la fausse gauche euh, et euh, surtout une bonne surprise avec un parti d'extrême de droite qui semble sortir vraiment de, du néant et qui a fait quasiment 10% euh, à son premier essai. Et il est rentré au Parlement, voilà, euh, dans un pays comme la Roumanie qui, a, qui connaît très peu d'immigration. Jusqu'à présent, donc c'est assez encourageant. Je commence par Tatiana Festerling. Je vous propose, pendant cette petite courte description qui va vous faire plaisir, je pense, de liker la vidéo tant que vous y pensez et de copier-coller le lien de ce live en cours tant qu'il existe. Ça va durer environ une heure, une heure et quart. Je ne sais pas si vous avez vu, la vidéo que j'ai faite hier de cinéma a été bloquée. Je le craignais, mais malheureusement parce que j'ai utilisé une musique, une musique de film. Ça n'a pas été bloqué tout de suite, mais un peu après. Alors là, j'ai essayé de, de supprimer ce segment pour voir si à nouveau, ça peut débloquer la vidéo, parce que j'avais prévu de la laisser en ligne. Celle-là, elle était vraiment de qualité. Donc, c'est un peu dommage. Salut à tous. Salut, Aquarius. Salut, Jack. Salut, Général Pangolin. À ne pas confondre avec Nemo Pangolin. Salut, Cousin Hubert. Salut, Gérard. Salut, Pierre Vacheron. Andrea. Troll. Aquarius. Lick. Et tous les autres. Alors, Tatiana. Mais c'est qui, Tatiana Alors... Tatiana Festerling, c'est une politicienne de la Nouvelle Droite allemande qui a été membre de l'organisation Pegida. Pegida, c'est euh, un groupe d'Allemands qui s'est réuni autour de la, la critique de l'islam et euh, le désir de bouter l'islam hors d'Allemagne. Donc c'est euh, parti, euh, le mouvement Pegida est parti d'Allemagne et après il y a eu Pegida Pologne, Pegida France pendant un moment, mais en tout cas le, le noyau dur, c'était en Allemagne de l'Est. Elle a été exclue. De Pegida, comme si c'était pas suffisant notre Pegida, elle a été exclue de l'organisation suite à des déclarations dans lesquelles elle a affirmé que les demandeurs d'asile euh, devaient être mitraillés par la douane au passage des frontières en Allemagne. Voilà, voilà, ça c'est Tatiana Festerling, ça commence très fort. Festerling, euh, Tatiana était une, euh, une membre fondatrice de la section euh, à Hambourg de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD). Elle a démissionné du parti. Alors là, pour le coup, c'est elle qui est partie euh, après une menace d'expulsion imminente. Euh, C'est-à-dire, on lui a dit Non, mais on, tu, tu vas dégager. Elle a dit Non, ben, je pars. Je m'en vais comme une princesse. Parce qu'elle était euh, en accord avec les actions des hooligans contre les mouvements salafistes. Les hooligans allemands se sont organisés euh, pour essayer de défoncer des bouches d'islamistes. Et Tatiana Festerling, elle a dit Bah, c'est très bien, en fait. Moi, je suis pour. L'AFD a dit Ouh, c'est pas bien, parce que l'AFD, c'est l'extrême droite allemande un peu molle. Tatiana, elle est un peu plus dure, on va dire. En 2015, Tatiana Festerling a rejoint Pegida, donc, et elle est devenue la toute première candidate Pegida à se présenter à une élection. Elle a participé à l'élection pour la mairie de la ville de Dresde, ville hautement symbolique. Vous savez que c'est une ville qui a été la Florence allemande, qui a été entièrement détruite par les Alliés et par les Américains au moment de la guerre, alors que ça n'était pas nécessaire. Le, le, les troupes allemandes étaient quasiment inexistantes dans cette ville. Ils se sont vraiment fait plaisir dans une ville qui était un des joyaux de l'Allemagne, un joyau culturel euh, du patrimoine allemand. Tatiana a obtenu 9,6% des voix lors de cette élection qui a eu lieu donc le 7 juin 2015. Der Spiegel, euh, l'équivalent du Monde, on va dire, le journal Le Monde français, bon, en Allemagne c'est Der Spiegel a décrit la décision de Pegida d'inviter Festerling à être candidate comme un, un remarquable coup marketing, un geste adroit, ce qui n'est pas faux. En juin 2016, Festerling a été licencié de la direction de Pegida. Bachmann a, a déclaré que son comportement était préjudiciable à l'organisation euh, comme raison de son licenciement. Là, je c'est comme... Les, comme j'ai dit euh, au, au début de son, de son profilage, voilà, euh, elle, a, elle a dit, bah, non seulement je suis contre euh, l'immigration illégale, mais je pense que pour la stopper, pour dissuader d'autres migrants de venir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut leur tirer dessus aux frontières. Ça me paraît tout à fait normal. Pegida a dit non, c'est trop pour nous. Là, tu vas quand même trop loin. En 2017, elle, est, elle, elle a été euh, déclarée coupable d'incitation à la haine raciale à Dresde et elle a été envoyée en prison pour 120 jours. Avant de devoir aller en prison, elle a quitté le pays. Elle est devenue persona non grata en Allemagne et elle a émigré depuis en Bulgarie. Peut-être ce qu'aurait dû faire Rissen avant de se rendre aux autorités. Festerling a suivi une formation, ça c'est sa vie personnelle, en coaching et en yoga. Elle a deux enfants, deux enfants adultes maintenant. Elle est une coureuse d'ultra-marathon, veut dire les marathons très très longs. Et elle a énormément voyagé. Pendant son temps libre, elle patrouille dans les zones frontalières bulgaro-turques avec les forces paramilitaires locales. À la chasse aux migrants. Alors, si Tatiana ne mérite pas le générique que je vais mettre maintenant, je ne sais pas qui le mérite. La meuf, en Allemagne, elle milite pour Pegida. Elle se fait virer de l'AFD parce qu'elle est trop radicale pour l'AFD. Elle se fait Pegida, virer de Pegida parce qu'elle est trop radicale pour Pegida. Elle va en Bulgarie. La meuf, elle est même pas installée. Euh, entre deux ultra-marathons, c'est-à-dire euh, plus que le marathon normal, d'accord hein La meuf peut littéralement cou courir pendant 24 heures entières. Elle arrive, elle dit « Bon, vous avez besoin de trop euh, pour empêcher les migrants de venir en Bulgarie ?»« Bah, je suis des vôtres. Tatiana, je t'aime. » Ok, <laughs> ça me fait toujours autant plaisir de voir ce générique, il est vraiment mortel. Euh, J'espère que... Ah tiens, je me demande si... Eh mais en fait, vous n'avez pas entendu la musique, c'est ça <laughs> J'avais pas mis la musique, il me semble. Merde, c'est complètement con. Bon, tant pis. Euh... Oh là là, je suis un débile. <laughs> Ou alors, je sais pas, vous l'avez peut-être entendu à travers mon micro, très faiblement, désolé. <laughs> mince j'ai raté mon effet j'ai raté mon effet de style, ah on a entendu, bon très bien oh ouf, j'ai eu peur si si, bon, bon très bien, voilà donc je viens de vous mettre à nouveau le lien du live dans le chat de toute façon il vous suffit de refresh la page et de faire copier-coller balancer ça vraiment sur tous les réseaux parce qu'on a beaucoup de choses importantes à dire euh, sur ce sujet, alors euh, Tatiana Festerling j'ai envie de vous dire, et d'ailleurs je l'ai écrit dans le chat euh, le débat, faut-il une femme ou pas au pouvoir Est-ce qu'une femme est capable de diriger, etc. Tous ces débats volent en éclats. face enfin, à des personnalités extraordinaires comme celle-là. De toute façon, moi, je crois au caractère unique des destins politiques. Et euh, Tatiana est une, une héroïne des temps modernes euh, pour à la fois lutter dans son propre pays, et ensuite en être expulsée par la force des choses. C'est-à-dire, elle a dû partir, sinon elle aurait été en prison. Euh, et bien, euh, elle a, euh, elle a en fait. Euh, euh, elle a décidé de continuer à militer en Bulgarie, j'ai envie de dire sur le front, euh, parce que vous savez que la, route, la première route des migrants passait par la Bulgarie, c'est un truc à savoir, parce que je vais également parler un peu de la Bulgarie ce soir. Et euh, finalement, les migrants qui sont passés en Bulgarie se sont, se sont fait dérouiller littéralement les premiers mois de leur passage. Euh, le gouvernement n'a pas encouragé, on va dire, cela, mais a vraiment fermé les yeux, ils ont fait les aveugles. Et euh, ensuite, les migrants se sont passés le mot, ils ont appelé leur famille, ils ont dit « Non, mais là, euh, ouais, c'est chaud. Non, non, franchement, non, non, euh, non, mais vraiment. Mais à quoi Vous avez peur des Bulgares Qu'est-ce qui se passe Vous êtes des musulmans Allez, allez, tuez-les tous Ouais, il y a les Bulgares, ils sont 7 millions, mais euh, non, ils tapent fort sur la tête. Hein. » Alors du coup, on va peut-être passer par la Grèce, c'est quand même un tout petit peu mieux. Et depuis, en fait, les, les, les migrants évitent complètement la Bulgarie et passent comme ça en dessous des Balkans, passent par la Grèce, ils se débrouillent euh, par le haut de la Roumanie, enfin, ils trouvent leur chemin, quoi. Euh, et d'autres, évidemment, toujours par Lampedusa, l'Ouest étant euh, genre un, peu, un peu moins virulent comme ça, avec le clandestin que l'Est. Donc, euh, avant de, vous, de revenir sur Tatiana Festerling, qui est le sujet principal de ce live, je voudrais rapidement vous parler des résultats des élections en Roumanie. Euh, donc, alors, que s'est-il passé euh, Il y a eu les, les élections euh, euh, hier, en fait, donc le 6 décembre, euh, pour euh, les élections parlementaires, législatives en quelque sorte. Et euh, il y a eu un, deux, deux sources d'étonnement. La première, c'est que ce n'est pas le parti qui est au pouvoir qui l'a emporté, c'est le, le, le parti, on va dire, de, de la gauche, la gauche roumaine. Et j'ai vu énormément de, de nationalistes sans du tout me moquer d'eux, hein, qui ont écrit des bêtises à ce sujet. Vous savez, euh, les nations ont un peu ce côté, euh, comment dire, c'est un trait de caractère qui est assez désagréable. Ils cherchent la mauvaise nouvelle et quand ils la trouvent, ils, ils vous la prennent comme un gros caca et vous la montrent. Genre, Regarde, t'as vu, comme c'est du caca, ça pue vachement quoi. Alors que ils la cherchent tellement cette mauvaise, cette mauvaise nouvelle qu'ils la trouvent même là où elle n'est pas. Donc évidemment hier, c'est ce n'est pas la droite libérale. Euh, du président actuel Ioannis qui a emporté. Euh, l'a emporté, c'est la gauche et donc attends je le, la gauche du PSD. Je veux pas dire de bêtises parce que je me, parfois je me trompe un peu dans les acronymes, donc je voudrais pas me planter ici. Attendez, j'ai fait de toute façon j'ai pro, j'ai produit un article là-dessus. Euh, la source initiale c'est France 24 et j'ai ajouté quelques petits détails. Donc je vous mets l'article tout de suite euh, dans le salut vive la France dans le chat à l'instant même. Bah, tiens, je vous le lis en même temps, ça, ça sera ça sera plus simple. Les, les euh, donc, le, le, le PSD, la gauche conservatrice, a déjoué les sondages en arrivant en tête des élections législatives en Roumanie, même si les libéraux au pouvoir sont toujours favoris pour former le futur gouvernement. Selon les premiers résultats partiels, l'opposition est arrivée en tête des élections législatives, dimanche 6 décembre en Roumanie, écartée du pouvoir fin 2019 sur fond de contestations massives dans la rue et de critiques de Bruxelles, visant des atteintes à l'état de droit. On va y revenir. Euh, les démocrates du PSD ont recueilli environ 30% des voix d'après des résultats publiés lundi par l'autorité locale. Le parti libéral, donc ça c'est le parti au pouvoir, le PNL, du premier ministre pro-européen Ludovic Orban, donné gagnant par les sondages préélectoraux, n'a pour sa part retenu que 25% des voix, donc ils ont quand même perdu 5% euh, sur cette gauche conservatrice. Cette formation peut toutefois rester au pouvoir si elle s'allie avec les réformistes de l'Alliance, etc., etc. Donc on ne sait pas s'il y aura une traduction. Euh, politique et exécutive de ce résultat, mais il est quand même tout à fait notable que euh, cette gauche conservatrice, qui en fait, et là c'est un scoop peut-être pour vous, en fait, la plupart des éléments qui composent son, ce parti sont des anciens euh, du, du, du communisme de Ceausescu, en fait. Euh, c'est ça qui est revenu au pouvoir. Alors, vous allez dire c'est catastrophique, c'était une dictature, etc. Bon, ils ont bien compris la leçon. Et lorsqu'ils étaient eux-mêmes au pouvoir après la chute de Ceausescu, ils n'ont pas, pas fait une politique totalitaire. Par contre, ils ont gardé, je dirais, les valeurs de, du, du communisme nationaliste en réalité. Donc, il y a un peu cette. Il ne faut pas se tromper dans l'analyse. Il faut bien comprendre qu'en Roumanie, si on, on, on essaye de comprendre les dynamiques politiques. En les calquant sur nos idées, eh bien, si en fait on, on prend les mots comme. Par exemple, là, ils se définissent comme sociodémocrates. Il euh, y, y a également un parti en Suède qui s'appelle les démocrates. En fait, c'est le parti nationaliste. C'est le Front National Suédois qui a pris le mot démocrate. Apparemment, aucun autre parti avait osé s'affubler de ce, ce mot, donc ils l'ont choisi. Alors qu'en fait, ce sont des nationalistes, ce sont des identitaires. Eh bien, en Roumanie, il ne faut surtout pas que vous vous trompiez d'analyse. En France, le parti socialiste est le plus immigrationniste, le plus pro-islam qui soit. Et. La droite Fillon, sans être la, la panacée, eh bien, a tendance à tenir au moins des discours réservés sur l'immigration et la continuation de l'immigration massive. En Roumanie, c'est le contraire. Le parti au pouvoir, en réalité, actuellement, était un parti de droite libérale. Euh, C'était donc, toujours le président Ioannis, euh, ancien maire de Sibiu, d'ailleurs, euh, qui est assez euh, un homme qui, qui a plu, on va dire, par son, sa prestance un homme assez élégant, etc., d'ailleurs, de, de race allemande, c'est un Allemand ethnique en fait, il y en a beaucoup à Sibiu, j'y reviendrai un peu plus tard. Euh, et donc Ioannis euh, est au pouvoir sur une ligne qui est de droite libérale, c'est-à-dire économique, on n'emploie pas le mot libéral au sens américain du terme pas libéral sur le plan des mœurs, mais en tout cas un libéralisme économique pro-Union européenne. Le PSD, donc ce que je vais appeler la gauche conservatrice pour que vous compreniez bien, n'a rien à voir avec le Parti socialiste français, euh, et encore moins avec euh, la gauche Mélenchon, hein, qui est une force de faux communisme. Non, on est sur les vrais principes en fait, de, 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 de socialisme euh, au sens pur, on, on, on l'entendait à l'Est à l'époque. Donc c'est assez étonnant que ce parti revienne au pouvoir parce que euh, eh bien, la jeunesse. Semble disposer à, à se fondre comme ça dans le moule de l'Union européenne, essentiellement pour des raisons économiques, hein, plus que pour des raisons identitaires ou pour la question du mariage gay et tout, qui fait très peu l'actualité en Roumanie, contrairement à la Pologne. On est vraiment loin de tout ça, mais euh, ce, ce, le PSD qui est revenu au pouvoir, là où c'est étonnant, c'est que souvent, ils ont été considérés comme les plus gros corrompus, parce qu'évidemment, bah, ils faisaient partie, un certain nombre d'entre eux, les plus vieux en fait, du parti PSD, étaient, des, étaient membres du parti de communiste de l'époque, de la fameuse époque, et donc euh, les gens, les ont dégagés il y a quelques années après, après de lourdes manifestations parce que, eh bien, euh, il y a des détournements de fonds, euh, l'argent de l'Union européenne, euh, il arrive dans une poche, il disparaît de l'autre, on ne sait pas trop ce qu'il devient. Et là, euh, ils reviennent au pouvoir. Ça montre une certaine insatisfaction, quand même, des Roumains pour le pouvoir actuel libéral, et je dis bien libéral, euh, on va dire macroniste, en fait. Je vais dire macroniste pour que vous compreniez. c'est pas du tout le cas. et hein, c'est pas. Euh, pas, je veux dire, ça n'a rien à voir en, en soi avec le, avec le parti de Macron, mais c'est la même ligne, centre-droit, ultra-démocrate, discours plutôt progressiste, euh, ça existe en Europe de l'Est, simplement comme il n'y a pas d'immigration, eh ça n'a pas d'influence sur la société, et les discours, euh, parler, c'est pas faire, parler, c'est pas faire ici. Euh, donc, Ioannis, euh, moi j'en étais pas particulièrement inquiet. Par la façon dont il dirigeait la Roumanie. Mais c'est intéressant de voir que les Roumains reprennent un peu les vieilles recettes en disant Non, mais là, au moins, on sait ce qui se passe. Ils sont peut-être corrompus, mais ils sont vraiment Roumains. Ils sont nationalistes, en tout cas, et un peu plus que les autres. Donc, on va revenir à cette formule. L'autre chose, il y, y a deux éléments qui peuvent expliquer ce résultat, quand même nettement en faveur euh, donc, de la gauche conservatrice. Donc, c'est une gauche qui n'est pas particulièrement hostile, d'ailleurs. Euh, à l'Église orthodoxe. C'est une gauche qui n'est pas du tout immigrationniste, sans pour autant être officiellement déclarée raciste, vous imaginez bien. Euh, par contre, c'est une gauche qui a une, une vision, euh, je dirais, de, de nationale de la Roumanie, qui se calque un peu euh, sur celle des socialismes des années 70, 80, 90. Donc après, on peut en, en faire une critique économique, et certainement que ça n'aidera pas forcément le, le pays à se relever, euh, à, à grandir économiquement, c'est sûr. D'un autre côté, si on, si on regarde nos intérêts identitaires, euh, vu l'accélération le, le, du remplacement ethnique dans toute l'Europe de l'Ouest, et euh, cette immigration commence à taper fort comme ça aux frontières de l'Europe centrale, pour l'instant, le groupe Visegrad tient bien, mais pour combien de temps, nul, nul ne peut le dire. Pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, euh, je, je reviens à ce que je disais, il y a deux raisons qui expliquent, selon moi, cette victoire. Premièrement, une... Euh, une campagne assez agressive sur, euh, sur euh, les réseaux sociaux et notamment YouTube. Moi, j'habite en Roumanie, comme vous le savez, et euh, lorsque je mets YouTube, je ne sais pas pourquoi, alors que normalement j'ai un bloqueur de pub, maintenant j'arrive plus à bloquer les pubs, à croire que celles sont devenues totalement obligatoires. Et euh, euh, oui, oui, tout à fait. Udiac me dit le libéralisme est polysémique. On parle en Roumanie d'un libéralisme économique et euh, donc en ce qui concerne le, 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 le parti national libéral celui qui est au pouvoir à travers le, à travers le, le président Ioannis. et le premier ministre ici s'appelle orban à ne pas confondre avec le orban roumain euh, hongrois. le orban roumain n'est pas identitaire au contraire il n'est il est pas dans notre camp. voilà donc c'est un peu compliqué parce qu'ils ont le même nom. Euh, d'ailleurs bah, il est sûrement d'origine hongroise également. ce euh, qui est amusant c'est que le parti au pouvoir c'est un mec d'origine allemande. Et le, le ministre, euh, alors attendez, je vais vous dire son prénom parce que je ne sais pas Victor Orban, à ne pas confondre, attention, euh, c'est Ludovic, Ludovic Orban. Ludovic Orban, c'est le premier ministre euh, euh, donc, qui gouverne hein, en Roumanie sous la direction du président Ioannis et il fait partie du PNL. Ce parti est pro-libéral, euh, pro-Union européenne. Progressiste autant qu'on peut l'être dans un pays qui est quand même assez réactionnaire sur la question, par exemple, du mariage gay comme en Roumanie. Euh, donc, on va dire, c'est pas le bon, pour nous, c'est pas le bon cheval. Pour nous, c'est pas le bon cheval. Donc, je disais, euh, étonnamment, même si c'est un parti assez ancien, il y a eu une grosse campagne du PSD sur Internet qui a fonctionné. Et je dois dire que moi, si j'avais eu à voter, j'aurais peut-être voté pour la gauche conservatrice pour la simple raison que c'est le seul parti dont j'ai entendu parler. Je voyais des affiches partout, les militants ont été très, très motivés et ils ont dû payer une fortune pour que, à chaque fois, que je... franchement, depuis trois semaines, chaque fois que je me connecte sur YouTube, je vois une pub. C'est marrant d'ailleurs parce que le PSD était accusé d'être un parti de corrompus et ils arrivent avec une campagne en disant « Vous avez vu le Parti National Libéral Jamais on a eu autant de corruption en Roumanie. Votez pour nous, ça va tout changer. <laughs> Assez amusant. Le deuxième point, honnêtement, je pense que c'est un phénomène étrange mais qui nous sert, Eh bien c'est que y a quand même une, une expatriation des Roumains, de la jeunesse roumaine qui part chercher on va dire euh, par exemple, je sais pas, quand tu es médecin ou quand tu as ce genre de profession. Comme le salaire n'est pas très avantageux en Roumanie, ne sachant pas ce qui les attend en Occident, c'est-à-dire le gauchisme, la tiers des villes, euh, la saleté partout et l'insécurité et le terrorisme. En tout cas, n'ayant pas conscience, on va dire, de la puissance de ces, de ces phénomènes, eh bien, beaucoup de jeunes partent de Roumanie. Et ce sont les jeunes qui votent Parti National Libéral. Ce sont les jeunes euh, qui votent quand même progressistes en Roumanie. Donc, ce départ des jeunes a servi le PSD et peut-être l'extrême droite, dont je vais parler uh, juste après. Euh, eh bien, parce que loin des yeux, loin des cœurs, loin du cœur, on peut bien sûr voter depuis l'étranger. Mais avec le Covid, avec les soucis du quotidien, avec les gens qui sont étudiants, quand tu es étudiant, ton premier, euh, dire, ta première euh, inquiétude, c'est est-ce que je vais bouffer demain Est-ce que je vais réussir mon examen Eh bien, beaucoup de jeunes n'ont pas forcément voté. Et ça a permis au PSD, on va dire, de, de revenir aux manettes. En tout cas, de gagner cette élection. Alors, est-ce qu'il y aura une traduction politique C'est pas dit. Mais je pense que euh, pour la prochaine élection présidentielle, alors le président actuel, euh, donc on va dire euh, progressiste, a dit, euh, moi je ne ferai pas de cohabitation jusqu'en 2024, jusqu'à la fin de mon mandat, ça restera Parti national euh, euh, libéral progressiste. Euh, donc on verra, peut-être il faudra attendre 2024 pour que le PSD revienne aux, aux manettes, mais c'est un résultat tout de même assez étonnant. Mais mieux encore, plus intéressant, eh bien euh, c'est euh, le score du parti AUR. Le parti or, on va dire comme ça. Eh bien, le parti or, qu'est-ce que c'est euh, En plus donc du, du PNL et de, du PSD, il y a deux autres partis qui, 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 qui entrent en Parlement. Euh, le premier, c'est une formation nationaliste qui est très proche de l'Église orthodoxe et dont on n'avait vraiment jamais entendu parler. C'est le parti AUR qui a fait 9% dès, euh, dès sa première, son, son premier coup. Euh, leur campagne, comme le PSD, a entièrement été faite sur les réseaux sociaux, à la différence... Euh, notable du fait qu'ils ont été très peu invités à la télé, donc il euh, y a vraiment une, une volonté de, de les mettre de côté, pas tellement par anti-racisme, mais parce que c'est un parti qui n'est de nulle part et auquel les médias n'ont pas prêté un intérêt, ils ont dit c'est amateur etc, de toute façon ça va rien faire et finalement les gens quand ils ont été euh, quand ils ont su qu'il y avait un parti nationaliste euh, orthodoxe euh, très conservateur et oppo opposé à l'Union Européenne et eh ben, euh, cette cette ligne a fait quand même 9% c'est pas rien. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est comme si. Parce que là, il faut bien se prendre conscience. Moi, je suis en Roumanie actuellement. Euh, on en est au degré de non-remplacement ethnique, je dirais, de la France 65-70. Peut-être même avant. Donc, 9% dans ce contexte, c'est quasiment miraculeux. C'est quasiment miraculeux. Donc, je vous dis, ce parti et le score de ce parti a étonné à peu près tout le monde et euh, est assez intéressant. 9%. Euh, alors ce qui est, oui, ce qui est amusant c'est que ma femme m'a dit que sur le reddit euh, le reddit roumain euh, les gens ont commencé à paniquer l'extrême droite revient etc plus exactement l'extrême droite arrive parce qu'il n'y a jamais vraiment l'extrême droite euh, de dire le, le Ceausescu était nationaliste mais il n'était pas l'extrême droite bon bref mais en tout cas la dictature revient voilà ce qui est un peu ressorti sur reddit mais il faut bien considérer le fait que la plupart de ces commentaires venaient d'expatriés ces saloperies d'expatriés occidentaux qui sont heureux comme des rois en Europe de l'Est et en Roumanie blanche et qui se permettent de commenter un résultat d'élection auquel ils ne comprennent rien simplement ils ont vu 9% pour l'extrême droite ils ont fait euh, avec des trucs débiles des commentaires de mecs qui te disent des Anglais des Allemands euh, des, des Français euh, expatriés qui travaillent ici ou des Erasmus qui te disent moi j'ai fui j'ai fui quelque part l'autorité et l'extrême droite euh, qui est en Occident euh, tout ça pour retrouver ça ici c'est pas possible genre Genre, en fait, le droite est, est au pouvoir en Occident, on ne le savait pas, quoi. C'est euh, tout à fait Samuel, pour une toute première élection, c'est absolument euh, retentissant. Donc, euh, on va voir un peu les, les réactions des gens, peut-être je les commenterai. Euh. Également, j'ai vu un, un, sur un groupe Facebook euh, d'expatriés euh, anglophones, euh, des, des, euh, <laughs> des expats, euh, en l'occurrence, c'était un Américain, euh, qui disait euh, Oh est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, euh, aux Roumains qui sont dans ce groupe Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce résultat on ne comprend pas très bien pourquoi l'extrême droite fait 10 ici quoi <laughs> et les Roumains en mode euh, euh, on fait ce qu'on veut en fait enfin peut-être à un moment donné on vote pour qui on veut donc 9 c'est vraiment ça me donne de l'espoir et j'ai tenu à vous en parler eh bien parce que l'émission tourne autour de la, enfin, de la, de la question bulgare je vous parlais un peu après de la Bulgarie, parce que Tatiana Festerling est maintenant installée en Bulgarie, mais la Roumanie, vous savez, était une c'est juste à côté. Il y a eu ces élections, je ne pouvais pas ne pas en parler. Surtout que ce que j'ai vu sur Twitter a montré un manque de connaissances de la part de, de, des milieux patriotes qui m'a un peu choqué, je vous le dis franchement. Avant de commenter un résultat, tu de le comprendre quand même. Je veux dire, j'ai l'impression qu'à part ce qui se passe en Macronie et aux États-Unis, rien n'intéresse fondamentalement en fait les gens, et seulement quand ils entendent un résultat, ils en parlent sans euh, sans le commenter en profondeur. Donc en réalité, c'est pas du tout un mauvais résultat, on va dire, sur un plan identitaire pour la Roumanie. Euh, les Roumains font un pas de recul par rapport à la à l'Union européenne. Pourquoi Parce qu'il faut bien comprendre que Ioannis s'est ridiculisé à plein de moments par son suivisme C'est pas tellement que les les Roumains sont hostiles à l'Union européenne. Pour eux, l'Union européenne égale l'argent, donc c'est bien. Mais euh, dans plein moment moments clé, notamment sur la gestion de la crise du Covid, Ioannis a dit des trucs incroyables. Il a dit en gros, on fera ce que nous dit l'Allemagne. On fera ce que nous dit M. Macron. S'il le dit, c'est sûrement bien. Et euh, tout de même, les Roumains ont une fierté, comme tout peuple, et se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce président Pantin, qui fait juste pour toucher les subsides de Bruxelles, qui humilie notre pays euh, en, comment en, en suivant les directives, sans même... Voilà. Euh, Ioannis, par exemple, a signé le pacte de Marrakech. Il se trouve qu'il n'y a aucun immigré quasiment noir ou arabe qui veut venir en Roumanie. Mais en tout cas, le pacte de Marrakech était assez infâme sur les questions migratoires. Le président en fonction l'avait signé. Euh, pourquoi Parce que Macron et Merkel l'avaient signé. Euh, voilà. Euh, C'est absolument incroyable. Donc, euh, actuellement, moi, j'étais un peu inquiet pour la Roumanie, sans trop vous le dire, parce que, eh bien, par rapport, quand on comparait avec le niveau de résistance euh, au mondialisme de la Pologne ou de la Hongrie, même de la République tchèque, franchement, ce n'était pas au niveau. Euh, alors bon, moi je, je mets toujours le ça, euh, je mets, je mets ça sur le dos eh d'une dépendance économique à Bruxelles qui est trop importante et qui n'implique pas du tout un antiracisme fondamental. Mais euh, de voir que finalement les Roumains se disent Bon, attendez, on va reprendre la formule d'avant parce que là ça va trop vite. Là. Euh, les délocalisations, euh, les. Euh, euh, je veux dire, euh, les, les flux d'immigrés, il y en a déjà trop, hein, ça, ça commence à saouler. Euh, le Covid, on a envie de gérer ça comme on veut, etc. Donc, on va remettre le PSD. Et par ailleurs, tiens, il y a un, un mec d'extrême droite, allez, 9%, clac, dès la première <laughs> élection. Alors, BL nous dit d'un côté, est-ce que c'est un intérêt d'être nationaliste dans un environnement homogène comme la Roumanie bah, C'est une drôle de question, évidemment que c'est un intérêt. Euh, pour que ça le reste, euh, en fait, je dirais... Ça a même plus un intérêt d'être nationaliste, et c'est pour ça d'ailleurs que j'aimerais transférer mon, mon vœu le plus cher c'est que ce sont les, les nationalistes blancs, euh, les gens qui ont l'ethnonationalisme, comme ça chevillé au corps, d'Occident, de France, d'Italie, d'Allemagne et d'Angleterre, laissent ces pays dans lesquels l'horizon est totalement bouché, et c'est d'ailleurs c'est ce que dit Tatiana Festerling, je vais vous le dis un peu plus tard, pour euh, amener leurs forces vives ici et faire en sorte que ces pays restent blancs. Et pour ça, il faut que le nationalisme triomphe dans ces pays, je dirais, avant même que le danger pointe à l'horizon. Euh, et le danger, il pointe à l'horizon parce que il suffirait, vous savez, il suffirait qu'un pays de l'Est dise oui. Bien là, Zelensky a le pouvoir de faire venir euh, en Ukraine, s'il veut, des, des, des ressortissants de pays encore plus pauvres. Si Zelensky le veut, il fait venir euh, 200 000 euh, Pakistanais par an en Ukraine. Il, il, il le peut. Donc c'est pas dire. Euh, le remplacement ethnique, c'est à la fois loin et pas loin, quoi. Donc c'est quand même un résultat qui est plutôt encourageant, même si pour l'instant, au niveau de la traduction politique pure. Il ne va pas y avoir un gros changement, il faut attendre les résultats définitifs et euh, voir dans les prochaines élections si ça se confirme, notamment pour l'extrême droite. Euh, il fait vrai qu'il y a une abstention record qui a peut-être bénéficié à l'extrême droite, mais, pff, mais dire, parfois il y a des résultats où au contraire il y a, il y a une grosse abstention et puis c'est pas forcément les nationalistes qui en profitent. Donc je pense que ça traduit vraiment une, une pensée voilà, du peuple euh, qui est intéressante et notamment euh, des personnes âgées qui ici votent bien, voilà. Alors, les partis anti-européens, ça en est où dans les pays de l'Est Je parle des vrais partis anti-eux et pas ceux qui ont « on va faire une route, t'inquiète, ça va bien se passer ben, ». Je suis en train de te l'expliquer. Je suis précisément en train de te l'expliquer, en tout cas pour la Roumanie. Il euh, faut bien comprendre que même Orban, qui est vu comme le plus résistant face à l'Union européenne, ne souhaite pas la quitter. C'est-à-dire que le but, le but du jeu pour ces pays qui sont... Émergent économiquement, c'est quand même de profiter des financements et des bons côtés de l'Union européenne sans les mauvais. Les bons côtés, c'est la libre circulation, donc euh, à la fois des hommes et des capitaux, c'est le tourisme, évidemment. Imaginez que la, imaginez que la Hongrie, euh, non pas ferme ses frontières, mais sorte de l'Union européenne et qu'il faille à nouveau un visa pour aller en Hongrie, comme il en fait un pour aller en Russie. Bah, ça veut dire quoi bah, Les touristes iront moins en Hongrie, donc euh, perte, euh, baisse du PIB, etc. Euh, les chiffres du tourisme en chute, mauvaise côte, euh, etc. Donc, euh, et puis bon là les subventions ça fait du bien aussi vous voyez ce que je veux dire mais ce qui est intéressant dans l'article que j'ai euh, relayé là de France 24 sur mon site et eh bien c'est que euh, on nous dit écarté du pouvoir fin 2019 ça c'est le PSD donc la gauche conservatrice qui vient de l'emporter en Roumanie sur fond de contestations massives dans la rue pour la corruption et de critiques de Bruxelles visant des atteintes à l'état de droit vous savez ce que c'est ça état de droit ah bah état de droit c'est il euh, faut, faut comprendre le langage de Bruxelles état de droit ça veut dire en gros euh, euh, tu prends des migrants ou pas Non. Bah, t'es pas un état de droit, hein. tu sais, c'est fasciste. Hein. Je vous rappelle que pour cette, cette, exactement cette même critique, euh, et pour contester cette critique, euh, Orban et le, et le président polonais se sont mis d'accord pour bloquer les fonds. Enfin, euh, pour. Euh, voilà, je vais vous, lire, je vais, je vais vous mettre l'article dans, dans le chat. La Hongrie et la Pologne, euh, il y a quelques, quelques semaines, ont dit non au plan de relance euh, de l'Union européenne pour protester contre l'ingérence de Bruxelles dans leur politique, et notamment leur politique migratoire. Ce qui est fou, c'est qu'ils l'ont fait alors que ce plan de relance devait leur bénéficier. C'est-à-dire que ce plan de relance, c'était l'idée de réinjecter, voilà, de l'argent dans l'économie d'un certain nombre de pays européens, euh, qui, on va dire, ont, ont eu euh, une baisse, évidemment, de, de leur, de, de leur PIB, et de, de leur économie, on va dire, était inerte à cause du Covid. Et, la Pologne, c'est pas, pas anodin. Là, donc là, on voit que quand il y a des vraies volontés politiques, bizarrement, il se passe des choses. Donc, euh, attendez que je retrouve le chiffre. Euh, da, 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 da. Ouais. À Bruxelles, l'espoir de que s'est postures. Là, 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 là. Au titre seul de plan de relance, la Hongrie devait toucher près de 7 milliards d'euros de subventions, tandis que la Pologne devait, elle, compter sur presque 25 milliards. Donc la Hongrie a dit non à 7 milliards et la Pologne à 25 milliards, juste pour dire à Bruxelles eh. Hey, voilà. À chaque fois que vous direz qu'on n'est pas un État de droit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas définir combien de migrants on prend et et d'où on les prend, eh bien on vous fera ça, euh, parce qu'il faut bien comprendre que la Pologne a essayé de feinter. Euh, et lorsqu'il y a eu la grande crise de, des migrants, la Pologne, à force de se faire harceler par, par Bruxelles, mais pas seulement, euh, eh bien, par toute la gauche occidentale, a dit bon, ok, on va prendre des migrants ukrainiens. Ouais, il bah y a une guerre en Ukraine. Bah oui, quand même, il y a des pauvres gens en Ukraine, ils se font tuer au Donbass, euh, c'est terrible. On en prend euh, 25 000. Vous aviez dit 25 000, on en prend 25 000. Ah ouais, non mais, et Bruxelles arrive, et t'as tous ces petits enculés de Bruxelles qui arrivent en mode... Euh, ah ouais, non, mais on avait dit 25 000 Noirs euh, Quand même euh, Des vrais migrants, quoi Et la Pologne était là, pas compris Comme les Chinois. Les Chinois qui parlent parfaitement français, et puis quand tu leur... Euh, quand c'est eux qui doivent de l'argent, ils font semblant qu'ils comprennent pas quoi. Les Polonais ont fait pareil à Bruxelles. Comment euh, On passe sous un tunnel là, désolé. Donc euh, voilà, donc l'état de droit, quand Bruxelles fait euh, sort la, la carte magique état de droit, ça veut dire en gros, hé, hey, prends des étrangers. Sinon, on va te traiter de fasciste dans tous nos médias. Voilà. Des grandes campagnes massives, etc. Donc le, le PSD, euh, en réalité, n'était pas le, le chouchou de, de Bruxelles, et donc de l'Union européenne. Pas tellement parce que le PSD est hostile à l'Union européenne, euh, parce que l'entrée dans l'Union européenne, je vous l'ai dit, je ne vais pas vous le cacher, a bénéficié à la Roumanie. Euh, tous les Roumains, vous pouvez, si vous venez ici en vacances, vous pouvez vous installer, tous les Roumains vous diront que entre 2005 et 2010, donc 2005, euh, pas l'Union européenne, je crois que la Roumanie adhère à l'Union Européenne en 2008. Dès 2009-2010, il y a un changement. Il y a une économie, il y a des fonds, des subsides qui sont injectés dans l'économie roumaine, des autoroutes qui se construisent, des infrastructures, etc. Donc ça leur a bénéficié. Le PSD pas, ne veut pas sortir de l'Europe. Par contre, il ne veut pas que Bruxelles le impose aux Roumains. Parce qu'il y a ce fond de nationalisme de gauche communiste qui, qui, qui survit dans ce parti faussement social-démocrate qu'est le PSD. Et euh, Bruxelles leur dit bah, :« Vous n'êtes pas un État de droit. » Donc, il faut bien comprendre que quand Bruxelles dit État de droit, sauf évidemment quand il y a, on va dire, ça peut, c'est pas uniquement le sujet de l'immigration, mais bien souvent, c'est lié au fait que les pays incriminés ne prennent pas assez euh, de, de quotas de migrants à leur goût. Voilà. Pour être très clair. Alors maintenant, je vais revenir sur Tatiana Festerling. Alors si vous avez raté le début de l'émission, avant le générique, j'ai présenté Tatiana Festerling. Je vais le refaire de manière beaucoup plus courte. Je vais vous montrer une photo de cette, de cette femme qui a une, un peu moins de 50 ans. D'ailleurs, il y a une chaîne YouTube. Elle a une chaîne YouTube où elle s'exprime en allemand. Et euh, pour euh, les germanophones, je vais euh, mettre le lien. Évidemment, dans le chat, c'est intéressant. Euh, en plus, elle n'a pas beaucoup d'abonnés. Peut-être qu'elle a commencé à pas si longtemps que ça. Et euh, elle mérite, euh, vu, le, vu le courage qui est le sien, elle mérite vraiment euh, eh d'avoir beaucoup plus de succès et de faire parler d'elle. Alors, euh, Tatiana Festerling, c'est elle. Voilà. Une championne. Une championne. Très engagée, une identitaire comme on les aime. Donc, euh, alors, voilà, je bois un petit verre. En temps je vous la laisse un peu. Alors. Euh, je répète les éléments de sa vie. Elle est engagée euh, dans, le, dans les mouvements nationalistes depuis une quinzaine d'années. Elle a participé euh, à l'élaboration du projet Pegida. Pegida, c'était vous savez ces manifestations monstres qu'il y avait en Allemagne, qui n'ont connu aucun équivalent hein, en Allemagne de l'est, euh, des manifestations euh, de 60, 70 000 personnes euh, qui, qui avaient lieu chaque lundi. Je crois que maintenant ça s'est un peu estompé malheureusement. Et elle, elle en était. Elle en était et par sa radicalité, elle a été, euh, elle a été même virée euh, de Pegida parce que, euh, un moment donné, on lui a tendu le micro, on lui a dit mais à votre avis, euh, comment on va faire avec ces migrants, Madame, euh, Madame Festerling, vous et Pegida, vous dites qu'il ne faut pas faire entrer les musulmans, mais comment on fait Comment on fait pour les empêcher de rentrer Elle dit bah ouais, on a un truc qui s'appelle, on a un outil qui s'appelle la douane. Donc la douane, c'est euh, des mecs, ils sont allemands, hein, d'accord C'est l'État qui leur dit de faire ça. Et quand il y a des gens qui n'ont pas leur papier européen donc, ils n'ont pas le droit d'être sur le sol allemand à moins d'avoir un visa euh, touristique ou un visa de travail, eh bien, on leur tire dessus. Voilà. Et après, ils ne viendront plus. Donc, ça, c'était la, la méthode de Tatiana Festerling. D'ailleurs, j'en avais parlé la première fois que je suis passé chez TEPA. Euh, il TEPA, à l'époque, était euh, assez peu sur nos idées. Il était encore dans un logiciel très dissident, dissidence raciste euh, même un peu conspire, mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Et euh, il m'avait dit Mais comment, tu, comment on ferait pour empêcher que les migrants viennent Et moi, j'avais dit bah, Comment on ferait euh, si, si, si la loi, euh, on ferait comme dans tous les pays où les migrants où, où les clandestins sont interdits. cest essaye de, de rentrer en Chine en faisant le forcing, les douaniers te tirent des balles dans le cul, quoi. Donc pourquoi l'Europe ne ferait pas la même chose euh, Pourquoi on serait la serpillière euh, de, de tout le tiers monde Ça n'a pas de sens. Donc voilà. Donc Tatiana Fyastolnig a simplement dit ça et je tiens à vous dire que je ne trouve pas du tout que ce soit une phrase radicale, même si j'essaie de la monter en épingle un peu pour vous faire frissonner. Donc Suite à, ça, euh, suite à ça, suite à une, une élection à laquelle elle s'est présentée, on l'a fait pareil, pas loin de, de. Elle a fait entre 5 et 10 je ne me souviens plus bien. Euh, en tout cas, c'était un très bon score pour, pour une première tentative. Le tribunal de Dresde, la ville dans laquelle elle était candidate, euh, l'a condamnée à deux ou trois mois de prison. Euh, je ne sais pas si elle les effectué, je ne sais pas trop comment ça marche en Allemagne, le système judiciaire. C'est vrai qu'en France, quand tu as moins de six mois, à un an. Même quand tu es condamné à la prison ferme, tu ne l'effectues pas parce que les prisons sont pleines et on considère que moins de six mois, tu n'es pas un danger public. Mais par crainte et par volonté de ne pas se soumettre à l'État allemand, elle s'est évadée en Bulgarie. Et dès qu'elle est arrivée, elle a noué des liens, elle a tissé des liens avec les nationalistes bulgares. Et maintenant, elle participe à la surveillance des frontières entre la Turquie donc, et la Bulgarie pour voir s'il n'y a pas des migrants. Euh, qui passent, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas leur papier. Évidemment, si c'est des Turcs qui ont leur papier et qui viennent pour du tourisme, du boulot, il n'y a pas de souci. C'est n'y pas, pas de souci, mais légalement, elle ne peut rien faire. Par contre, quand elles vont à Noir, c'est-à-dire euh, euh, Afrique, Turquie, Bulgarie, comment ça, comment ça se passe, comment ça s'organise, pourquoi tu es là Eh bien, en fait, ils les, euh, ils les chopent et ils les reconduisent à la frontière de Turc. Ah oui, vous venez de là, ben, retournez de là où vous venez. Et je dois vous dire que moi, j'ai vu ça de mes yeux. J'étais dans une ville... Euh, j'ai pas vu Tatiana Festerling. Si j'étais, euh, si j'étais Gérard, si j'étais Gérard, euh, peut-être je, peut une histoire un petit peu chatoyante, voilà. Mais non, je suis pas, je suis pas, euh, je suis pas Gérard F. Je suis Daniel Conversano. Donc j'ai vu ça de mes yeux. J'ai vu une police des douanes, euh, enfin la, la, les douanes bulgares, près de la frontière quand j'étais à Mamartchevo pour faire une émission, qui est je crois à moins de 100 km de la frontière turque. J'ai vu des douaniers choper un type qui avait une gueule d'Afghan, et le ramener... Parce que quand, au début, quand tu viens, tu ne différencies pas les Roms euh, des Orientaux. Mais en fait, après, tu, tu vois très bien la différence entre un Arabe ethnique et, et un Roms, en réalité. Bizarrement, les, les, les Arabes sont plus blancs de peau, en, en fait. Bon, peu importe. En tout cas, j'ai vu, voilà, il euh, y avait un Arabe qui courait, à un moment donné, et euh, la, la douane l'a arrêté, et ils l'ont embarqué, et ils l'ont ramené direction... Et, putain, cette image, les gars, c'était parfait le truc, c'est que, tu vois, la douane bulgare, j'ai pas eu le courage de faire ça, genre. Hein. Je peux vous filmer, s'il vous plaît <laughs> <laughs> Mais mes yeux les ont filmés, c'est un souvenir. Je vais mourir avec ce souvenir. Ils, euh, ils ramènent le, 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 le migrant, donc, dans leur, euh, dans leur camion. Ils ferment, clac, clac, avec des gueules d'assassins. Ils prennent la route. Moi, je les suis, on va dire, dans un, dans un, un regard circulaire, comme ça. Je les suis, et je vois quoi un nom de ville turque. <laughs> il prenait le chemin. Il y avait un panneau qui disait euh, Turquie. <laughs> exceptionnel, exceptionnel. Donc Tatiana Festerling, eh bien maintenant elle part participe à ce que les gauchistes évidemment en Occident, en Occident appelleraient des rafles. Mais en fait c'est tout simplement l'exercice de la loi. Tu as pas le droit d'être en Bulgarie. Salut, as-tu tes papiers bulgares As-tu tes papiers français ou italiens Parce que oui, bah, si t'es français ou italien, d'accord. Bon, là, t'as tes papiers européens, tu peux être en Bulgarie. Sinon, quelque part, va, mou va crever, quoi. Voilà. Donc, euh, donc, voilà cette nana. Elle est très intéressante. Du coup, je me suis renseigné un peu sur elle pour, pour vous euh, bah, pour préparer cette inter ce live. Et, euh, et donc, j'ai vu plusieurs vidéos de, de Tatiana dans lesquelles elle donne des infos sur l'Allemagne. Alors, là, maintenant, avant de, de clore sur la Bulgarie et de, manière de retomber sur mes parts. En faisant à nouveau la, la, la promotion de cette évasion militante que je vous invite à, à réaliser dans, dans, au cours de votre vie, prenez le temps qu'il faut pour le faire, mais faites-le, voilà. Euh, C'est comme la, à chaque fois, on revient au slogan de libération. Faites ce que vous voulez, mais votez Macron. Faites ce que vous voulez, mais expatriez-vous, quoi, évadez-vous. Alors, euh, vous savez, au moment de la, la crise des migrants en 2015, la plus grosse vague en fait, de, de migrants qui a eu ces dernières années, la vague la plus massive on a dit qu'un million de migrants syriens s'étaient installés en Allemagne. En fait, c'est pire, il y en a eu un million cent mille. Et parmi ces 1 million cent mille, Tatiana Festerling a étudié, a étudié la question et a vu que 800 mille de ces migrants étaient des hommes. Donc sur un million cent mille personnes, 5000 clandestins, venus de partout, voilà, et qui débarquent en Allemagne pour s'installer, 800 mille étaient des hommes. Et elle dit un, un chiffre terrifiant, c'est qu'en Allemagne, à ce moment-là, dans la tranche d'âge de ces 800 000 hommes qui étaient en fait en plus des jeunes, entre 18 et 30 ans, et bien dans la tranche 18-30 ans, il n'y a que 5 millions d'Allemands qui sont dans cette tranche. Donc, il y a 800... Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Euh, si ce n'est pas du remplacement ethnique, je ne sais pas ce que c'est. 800 000 hommes qui arrivent, 800 000 hommes qui appartiennent à cette tranche d'âge 18-30, dans laquelle il n'y a que 5 millions d'Allemands. C'est-à-dire qu'un sixième en Allemagne, un sixième des hommes entre 18 et 30 ans ne sont pas allemands. Au moins. En plus, il y avait une immigration qui précédait en Allemagne. Une immigration turque et même un peu une immigration noire, euh, la plus marginale, mais qui existe quand même. D'ailleurs, vous voyez bien qu'il y a des footballeurs noirs allemands, donc ça existe. Euh, c'est énorme, c'est absolument énorme. Donc elle est catastrophée par cela. Et euh, vous allez voir que souvent... Un peu pour se rassurer, on se dit, non, mais les Allemands, ils se laissent pas faire, non, mais un tel, ils se laissent pas faire. Les gens ont l'impression, les Italiens, ils se laissent pas faire, c'est ces grandes histoires. En fait, je pense qu'on a tous trop vu de films de mafia, et on a l'impression qu'en Italie, il y a des migrants, mais euh, on les mate. Non, je dirais qu'en Italie, pour l'instant, il n'y a pas d'attentat massif, enfin d'attentat euh, retentissant, pour la simple raison que les, les étrangers qui viennent en Italie, globalement, sont moins musulmans. Il y a une forte immigration albanaise, euh, bosniaque aussi, une immigration roumaine, de Roumains, je dirais, comme ma femme, quoi, donc Roumains inoffensifs. Euh, et euh, l'immigration étrangère vient du Pakistan en partie, et surtout des Noirs. Il y a énormément de Noirs en Italie. Donc euh, il y a une insécurité au quotidien dont on entend rarement parler. Euh, voilà, quand ce pas des femmes de 18 ans qui sont découpées, euh, ce qui est arrivé il y a deux ans, une tragédie en Italie, bon ben. Bah, on n'entend pas parler. De la même manière qu'en France, tout ce qui est publié sur F2Souche, euh, ça ne traverse pas les frontières. À part quand c'est des trucs comme la décapitation de Samuel Paty ou le Bataclan. Bon, donc je pense simplement qu'Italie est protégée par le fait qu'il y a moins de musulmans en Italie qu'en France. Mais tout ça, c'est des vieilles idées. Vous allez voir, quand, quand je me suis renseigné sur Tatiana Festerling et qu'elle fait son bilan sur l'Allemagne, je me suis dit, mais. La gauche a gagné en Occident. Parce que euh, dans des pays comme l'Angleterre, la France, l'Allemagne, c'est toujours les mêmes schémas, c'est toujours les mêmes bêtises qui sont dites à la télé. C'est toujours la même chasse à l'extrême droite. Donc, quels sont les, là où les problèmes sont identiques par rapport à la France Eh bien, les migrants sont essentiellement des hommes. Euh, ceux, tous ceux qui demandent l'asile l'obtiennent. C'est-à-dire que les, les migrants arrivent sans leur papier. Ils disent Je viens d'un pays en guerre, je demande l'asile. On ne va pas enquêter plus pour savoir s'ils ont l'asile. D'ailleurs, c'est impossible d'enquêter plus. C'est pour ça qu'il faut les renvoyer chez eux. À partir du moment où le mec arrive sans papier, à un moment donné, tu n'es pas, pas cartomancien. ancien, tu peux pas deviner d'où il vient. À peu près, voilà, tu es noir, tu viens à peu près d'Afrique, mais quel pays Est-ce que c'est un pays en guerre Est-ce qu'un pays qui ne l'est pas On ne peut pas le savoir. Euh, parmi ces un million, c'est le chiffre officiel des migrés de la vague 2015. Hein. Il voilà. y en a eu d'autres depuis, moins massives, mais, des vagues moins massives, mais quand même. Euh, en plus de cela, il y a un certain nombre de clandestins qui n'ont pas été enregistrés. L'arrivée, le flux était tellement massif euh, que on n'a pas pu tous les compter. Qu'est-ce qu'elle dit encore sur l'Allemagne Elle dit que d'ores et déjà, depuis plusieurs années, dans de nombreuses écoles, même des écoles, des écoles publiques, hein, pas des écoles islamiques, par principe, le port est interdit à la crèche. Bah oui, parce qu'il y a quand même il y a quand même des immigrés, euh, des enfants d'immigrés musulmans, donc on ne veut pas les vexer. Donc du coup, bah c'est les Allemands ethniques qui bouffent du halal, évidemment. Euh, dans la plupart des piscines, il y a des horaires différentes en fonction du sexe, et oui, parce que les musulmans n'acceptaient pas que des femmes se baignent avec des hommes, et inversement. Voilà, euh, elle tire un portrait au vitriol des médias, euh, des médias allemands, c'est-à-dire que les médias allemands font le même boulot au travail de sap que les médias français, euh, en cherchant, euh, cherchant des poux comme ça euh, dans la tête des mouvements nationaux, alors qu'ils ne commettent pas de violence, euh, tandis qu'ils ferme les yeux à la violence, à la violence euh, faite par les immigrés. Euh, le pouvoir de propagande, on parle sans arrêt, sans arrêt en mal des Allemands, la, le, le principe de la culpabilité. On ne sait pas trop bien d'ailleurs quelle culpabilité, parce que les Allemands n'ont pas colonisé euh, des terres étrangères comme les Anglais, Anglais ou les Français l'ont fait. Mais enfin, c'est le principe maintenant. Tu es blanc, tu es, euh, es ennemi de la race humaine. Euh, donc voilà. Euh, elle dit également que les, les, les Allemands sont malheureusement soumis idéologiquement, cest à qu'ils ne font pas semblant. On a souvent aussi cette vieille idée que les Allemands résistent mieux que les autres. Que pour ne pas passer pour des nazis, euh, ils font semblant d'être euh, anti-racistes mais ils ne le sont pas vraiment. Et euh, elle, elle dit Bah non, en réalité, moi ce que je constate, c'est que les Allemands sont, excusez-moi, il y a que le mot anglais qui me vient, mindfucker, c'est-à-dire qu'ils ont le cerveau mis à l'envers par la propagande, et ils ont vraiment plus peur de retour du fascisme, et donc de l'arrivée au pouvoir de l'AFD, même qui est vraiment d'une droite molle. Ou, euh, ou bien euh, de Pegida, quand Pegida est devenue une force politique, ils ont plus peur de ça que des musulmans et de l'immigration euh, folle. Elle dit une phrase que j'ai isolée et qui est, qui est belle et tragique. Elle dit « L'Allemagne s'ouvre d'un syndrome de Stockholm collectif qui mène à une paralysie politique complète, une incapacité totale de débattre sur le fond des sujets importants comme celui de l'identité, de l'immigration et de l'avenir de la civilisation européenne. Donc, euh, en fait, c'est bon, à la fois déprimant, mais c'est bon à savoir que finalement, euh, souvent. Pourquoi je, pourquoi je vous parle de ça C'est pas du tout pour vous déprimer sur l'Allemagne. Euh, je pense qu'elle a fait le bon choix en partant de l'Allemagne parce que les Bulgares, les Roumains et les Européens de l'Est n'ont pas du tout cette psychologie. Et en plus, ils ne subissent pas cette propagande. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans des pays comme la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, c'est que le pouvoir en place, même s'il n'est pas fasciste, euh, eh bien sert les intérêts des Roumains, globalement. Sert les intérêts des locaux. Euh, c'est ça la, la grande différence. Alors que vraiment, pourquoi moi je, je, je trouve qu'il y a un, un militantisme, c'est un acte militant de quitter concrètement et fiscalement euh, des pays comme la France, la ou l'Angleterre, c'est que l'État, le gouvernement, est entièrement euh, a pour but de nuire à la population autochtone. Euh, pour des raisons financières, euh, symboliques, philosophiques... Euh, etc., à tous les niveaux. Donc, je trouve que de voir que c'est exactement la même chose en Allemagne, à ce niveau-là, et que la gauche est totalement triomphante euh, sur le terrain des idées et de la censure, évidemment, donc la gauche censure les opinions comme celle-là, criminalise la pensée, euh, les pensées alternatives, eh bien, ça permet de sortir du logiciel franco-français. Cette idée, vous savez que j'avais critiqué dans mon deuxième passage chez Tepa, qui a disparu d'Internet euh, parce que la chaîne Tepa, est, malheureusement, a été, a été dégagée, mais... Moi, j'ai évidemment l'archive. Je pense que si, vous, enfin, je la remettrai en ligne quelque part. Il n'y a pas de souci. C'était vraiment une très bonne interview, bien meilleure que celle de 2014. Même si celle de 2014 a marqué les esprits, euh, mon idéologie était plus construite. Et euh, ce que j'avais dit, euh, beaucoup de nationaux catholiques s'étaient fâchés d'ailleurs à ce moment-là contre moi, euh, notamment, je, notamment Adrien Abosi. Bon, là, c'est un peu un secret de polichinelle, mais on, sait un, peu, on sait un peu, nos chemins sont un peu séparés à ce moment-là. Bah, je me suis un peu moqué du, de ce que j'ai appelé les Gogol 89, euh, les gens qui pensent que finalement euh, euh, tout, a, tout a changé euh, depuis 200 ans et que c'est irrémédiable, euh, etc., etc. Et que finalement, euh, ceux qui ont une analyse mystique de la situation en France, comme si la France avait un destin particulier, parce que la France s'est détournée de son roi, eh bien, euh, eh bien, elle reçoit des migrants. Non, c'est un problème global. Tous les pays occidentaux riches ont le même problème. Euh, la gauche a pris des facultés, la gauche euh, a, a fait ce qu'il fallait pour prendre le pouvoir politique, et maintenant elle pratique un totalitarisme de la pensée immigrationniste, qui est la nouvelle religion en fait en Occident, euh, en luttant contre l'extrême droite dans tous les pays. Donc l'Allemagne a exactement les mêmes problèmes que la France. C'est pour, pour ça que des fois je me moque et je critique en gros Géron, parce que c'est pas que, comment dirais-je, au-delà du fait que c'est quelqu'un qui est agaçant dans sa manière de parler, etc., à sa limite c'est pas très important. C'est que sa ligne est bête, sa ligne est stupide, sa ligne anti-allemande, anti-Allemagne est complètement con. Les Allemands sont tout simplement plus performants sur le terrain industriel, c'est tout. Et ça, c'est lié à leur compétence intrinsèque d'Allemand. Euh, mais cette jalousie en fait de Rougeron envers les Allemands floute complètement son analyse politique. En réalité, sur la question de l'identité, gauchisme, racisme, anti-racisme, les Allemands ont les mêmes problèmes que les Français parce que c'est une c'est un souci qui est international et qui touche tout l'Occident en même temps. Donc, moi, je dis, et c'est pour ça que j'ai dit, j'ai un peu teasé les gens sur le Telegram en disant que c'était, euh, c'est pas seulement la présentation, voilà, le portrait d'une nationaliste ce soir, c'est aussi, euh, je produis de, de l'analyse politique. Je vous dis que les gens qui ont un logiciel franco-français pour analyser nos problématiques sont des idiots, sont des gens qui ne sont pas allés au bout de la réflexion politique, qui ont des connaissances culturelles importantes. Mais parcellaires, c'est-à-dire en fait ils se connaissent très bien euh, dans un domaine, par exemple le domaine religieux, ou bien le domaine économique, ou bien euh, ce qui cloche dans l'Union européenne, etc. Mais ils n'ont pas une vision globale. Quand tu quand tu re, quand tu prends un pas de recul, tu fais un pas de recul, tu vois quoi La gauche améri américaine euh, défonce la tête des nations américaines. La gauche française euh, bloque toute idée qui vient de la, la, la droite, la droite nationale et la droite ethnique. Euh, la gauche allemande possède tous les médias et toute, les, toute la presse. Donc c'est le problème n'est pas lié à l'histoire très précise de la France avec ses colonies, de la France avec son rapport avec la, la Sainte Vierge Marie ou que sais-je ou autre bille Le problème, c'est que nous sommes des pays riches, donc attractifs, et que la gauche idéologique, intellectuelle et politique, main dans la main, nous prive de nos outils de défense qui sont de dire non. Nous avons la capacité militaire de dire non à une invasion euh, de clandestins, nous ne le faisons pas. Parce que la gauche pratique un terrorisme intellectuel sur ceux qui luttent contre eux, euh, voilà, criminalise des gens comme génération identitaire, etc. Et les Allemands ont exactement les mêmes problèmes. En pire, notamment, bon, là, sur la question juive, là, j'en parle même pas. Mais sur la question migratoire, c'est pareil. Hein, c'est très, très dur. Et pourquoi Pegida, d'ailleurs, a lutté tant qu'il a pu et ensuite, ça a un peu chuté Eh bien, parce qu'ils ont subi un harcèlement judiciaire, un harcèlement moral, un harcèlement euh, à tout niveau. Euh, voilà, donc, euh, donc, donc Tatiana Festerling a lutté tant qu'elle a pu en Allemagne. Euh, elle, a également, elle insiste également sur quelque chose qui est intéressant, euh, qui permet de voir vraiment que le communisme, on en pense ce qu'on en veut, mais ça a vraiment protégé les gens euh, psychologiquement de l'ethnomasochisme. C'est paradoxal, mais ce, ce, cet accès à la consommation plus limité. Euh, voire euh, quasiment nulle, cette, finalement cette pauvreté réelle a fait que euh, même lorsque le, le mur s'est effondré, c'est profondément resté ancré dans la tête de ceux qui avaient 30, 40, 50, 60 ans, qui eux-mêmes ont eu des enfants et donc ont transmis ces idées-là, il se trouve qu'aujourd'hui l'Allemagne de l'Est, à l'exception de Berlin qui, comme toutes les capitales, est assez cosmopolite, c'est pareil en Roumanie, hein. tu vas à Bucarest, euh, si tu cherches des gauchistes, tu vas en trouver, hein. tu vas en trouver même dans la rue, hein. tu vois les t-shirts, tu vois les gueules, tu vois... Ça pue le gauchiste, tu vois. Non, tu, si tu en cherches, tu vas en trouver à, à Bucarest. Par contre, dès que tu vas dans une autre ville de province, bon, voilà, t'es projeté 40, 40 ans en arrière. Euh, c'est Moi, j'ai vraiment très, ressenti très fortement. Mais c'est pareil, en Allemagne de l'Est, il y a vraiment des coins très, très beaux, très préservés. Tu sens l'allemand solide. Après, tu vas à, Buca à Berlin. Bon, c'est le cœur de l'enfer, quoi. C'est le cœur de l'enfer cosmopolite. Moi, j'étais rentré dans un bar à Berlin. Euh, je, vous, je vous assure que c'est vrai. Hein. Les, les amis avec qui j'étais euh, se, se rappelleront sans doute. On s'est posé dans le bar. Euh, on a commandé un truc à bouffer. La première bouchée, je suis resté comme ça. Il y avait un tag, c'était un black avec un visage très agressif. Bon, c'était un bar un peu un peu destroy, un ambiance un peu un peu anarch, mais en même temps, c'est bizarre, anarch classouille, voilà. Bref, donc ils étaient super fiers de leur tag. On voyait un black comme ça, le gars énervé, et il y avait marqué no, no Wedding for White Men today, No Wedding for White Men today. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, je suis en enfer, quoi. -dire, je suis à Berlin, je suis à Berlin, quoi. Un black. En plus, j'étais en train de bouffer et le, 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 le portrait du black me regardait les yeux dans les yeux, quoi. D'ailleurs, je suis en, en mode tourisme, tu vois, je n'ai plus pensé à la politique depuis, euh, depuis euh, trois jours, au moins. Euh, j'ai profité de la ville et de comme des beaux monuments, des beaux restes, des jolies nanas, des jolies allemandes, je suis avec mes potes, je m'amuse, je bois une bière, une bonne bière euh, bavaroise. Qu'est-ce que je vois Un black hostile tagué euh, dont le, 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 le patron de bar est tout fier et qui me dit "No wedding for white men today." Genre et même pas en allemand. d'ailleurs, on on, on s'adresse plus à l'homme blanc et on s'adresse même plus à lui dans la langue locale, quoi terrifiant, quoi, terrifiant, je peux t'assurer que ce jour-là, ils ont peu, euh, le serveur n'a pas eu de pourboire, crois-moi bien. Bref, donc, euh, en dehors de Berlin, donc, euh, qui est la capitale de l'Allemagne, euh, l'Est du pays est plus conservateur, et l'Est du pays, bah, c'était la partie qui était contrôlée par les Russes, donc euh, je ne veux pas faire mon pro-russe, hein. vraiment, là, ce n'est pas, pas du tout mon objectif. Je sais très bien que le modèle capitaliste a, a triomphé parce qu'il était plus fonctionnel, il était meilleur, mais le fait est que, on va dire, un des dommages... Euh, Collatéraux, euh, les, les moins graves euh, du communisme, c'est que aujourd'hui, tu ne la fais pas à l'envers à un type qui vient euh, de Hongrie, de Roumanie, de Bulgarie ou d'Allemagne de l'Est. Tu n'arrives pas, euh, pas à lui faire accepter qu'un blague, juste il arrive euh, et il n'a pas de boulot. Et, parce, et, et pour le, le féliciter de ne pas avoir de boulot, tu lui donnes un RSA quoi, en lui donnant la carte d'identité. Enfin, euh, attends, attends. Nous, on se crève le cul pour gagner de l'argent. Euh, mon père, euh, qui, était, euh, qui a subi euh, l'oppression communiste, il a bossé toute sa vie pour avoir, euh, pour avoir Peanuts. Et tu me racontes qu'en fait, euh, euh, Mustafa il va venir et on va lui filer de, des aides sociales pour qu'il qu engrosse sa nana cinq fois. Mais ah, tiens, tire enculé, moi je m'y dis pour Pegida. Il y a une vraie fracture, euh, plus encore qu'en France, hein, il y a une, ou même qu'en Italie, entre le Nord et le Sud. Il y a une vraie. Parce que bizarrement, en Italie, même le Sud vote à gauche, parfois c'est vraiment très étonnant. Euh, en Allemagne, il y a vraiment une fracture Est-Ouest. On pourrait presque faire deux pays. Euh, et d'ailleurs, euh, parfois, Tatiana Festerling a émis l'idée. Que bon, bah, si on pouvait pas, si les nationalistes ne pouvaient pas reprendre l'Allemagne, eh ils pouvaient au moins contrôler une partie à travers les municipalités, à travers peut-être un séparatisme en fait, euh, une partie du territoire. Bon, finalement, elle a été contrainte de quitter le pays bah, suite à la pression euh, la pression énorme de. Attendez, j'ai oublié de vous mettre la, la chaîne YouTube de Tatiana Festerling. Je crois. Alors, la chaîne est en. Elle parle, elle s'exprime en allemand sur cette chaîne, mais certaines vidéos sont sous-titrées en anglais. Euh, Qu'est-ce que je viens de foutre? Alors attendez, attendez, j'arrive, hop, oups, je me suis trompé, j'ai trompé de bouton, j'espère que je n'ai pas annulé le live, non ça va, oui, il y a un mec qui me dit euh, c'était peut-être un noir patriote, ouais peut-être, peut-être, mais je crois pas, voilà, donc là je viens de vous mettre dans le chat, euh, la chaîne, tiens, je vais la mettre à côté, comme ça je vais la mettre en description, la chaîne de Tatena Festerling, n'hésitez ben, pas, c'est votre boulot, hein, militant, hein. ça paraît rien, mais à chaque fois que vous voyez une de, une de mes vidéos, bah vous la likez, vous réfléchissez pas, vous la partagez sur vos réseaux et en commentaire. Parce que certains ont 20 amis sur Facebook ou Twitter, enfin je me moque pas de vous, mais c'est plus utile de mettre la vidéo en commentaire euh, sous euh, d'autres euh, vidéos d'autres créateurs de contenu, d'autres pages patriotes ou, ou non d'ailleurs, euh, que de la mettre sur vos, vos murs. Voilà, c'est mieux. Eh bien, Tatiana Festerling, abonnez-vous, bah, tiens d'ailleurs je vais le faire, je n'étais pas abonné avec cette chaîne. Euh, Tatiana Festerling TV. Euh, D'ailleurs, elle est plutôt sur une ligne, euh, sur le complotisme, plutôt en accord avec le, les, les idées euh, de la plupart des nationalistes, d'après ce que j'ai compris. Hein. Donc, elle est, euh, elle est sur le principe que l'Allemagne a trop de mesures restrictives sur le Covid, etc. Donc, ça peut vous intéresser même à ce titre. Mais bien sûr, elle elle fait des vidéos identitaires. Euh, voilà. Donc, je vous ai mis un, un lien vers vers vers, vers Festerling. Donc, pour terminer, voilà, pour expliquer, je l'ai dit au début de l'émission, mais certains viennent de rejoindre le live. Eh bien, elle a été condamnée pour incitation à la haine raciale. Je ne sais plus exactement pour quel propos euh, par le tribunal de Dresde. Elle a pris ses cliques et ses claques. Euh, C'est une nana très vivante, très énergique, qui est une sportive quasi, quasiment de haut niveau. Elle est partie avec ses deux enfants ils sont allés s'installer en Bulgarie. Euh, et euh, en Bulgarie, eh bien, elle a tout de suite pris ses aises et elle a noué des amitiés avec des nationalistes locaux, notamment ceux qui patrouillent aux frontières euh, bulgaro-turques pour empêcher les migrants de passer par euh, la Bulgarie. Alors, certes, les migrants ne veulent pas forcément s'installer en Bulgarie, quoique certains, euh, faute de mieux, hein, euh, vous savez, c'est faute de mer, on mange des griffes, je crois, le, 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 le proverbe. Euh, eh bien, ceux qui ne peuvent pas aller en, en Europe de l'Ouest préfèrent quand même être en Europe de l'Est qu'être dans, dans leur shit-hole, euh, comme ça, au, au Moyen-Orient. Euh, donc, euh, donc, elle fait bien, elle fait du tout mon travail. Elle, elle, pratiquement, on va dire, elle fait vraiment ce qu'il faut faire. Et par ailleurs, dans ses vidéos, dans ses textes, sur les réseaux sociaux, elle invite, comme moi, je le fais depuis la Roumanie, elle invite les Allemands à s'installer en Europe de l'Est et en Bulgarie, où elle a elle-même créé sa, sa communauté. Elle habite sur la côte bulgare, je n'en sais pas plus, je ne sais pas exactement si elle est à Burgas ou à Varna, mais c'est très intéressant. Moi, je vais essayer de m'approcher d'elle. Euh, en tout cas, si ce n'est pas moi, des amis à moi, on va vraiment essayer de faire en sorte que le, le réseau se raccroche à Tatiana Festerling et ses amis, parce qu'elle a exactement, je ne la connaissais pas avant, avant, il y a trois semaines, honnêtement, je la connaissais vaguement de nom parce que l'Institut Iliade avait fait une vidéo sur Tatiana Fersterling que j'avais vu euh, il y a un petit moment. Et donc je l'avais complètement sorti de ma, ma mémoire et quelqu'un sur Telegram, dans un petit groupe, euh, ils se reconnaîtront, voilà, je crois que c'est le rôle communautaire, et eh bien euh, quelqu'un a mis un lien vers, vers la vie de Tatiana, je me suis renseigné et j'ai dit mais en fait c'est génial mais bah, C'est la conversano-allemande, c'est fantastique Donc des années de militantisme en Allemagne, beaucoup plus d'ailleurs, à un niveau beaucoup plus euh, fort que le mien, euh, plus impliqué, et euh, Pegida, c'était quand même pas rien en Allemagne. Hein, je vous dis, c'était 50, 70 000, 80 000 personnes euh, euh, qui défilaient dans les rues. On n'a jamais eu ça, nous, en France, hein, contre l'islam, contre l'immigration massive et contre l'islamisation de l'Allemagne. Donc, c'était vraiment pas du crack, quoi. Euh, c'était pas des cracks. Eh bien, maintenant, en Bulgarie, elle dit voilà, j'ai milité tant que j'ai pu en Allemagne. Ce que vous pouvez faire pour moi maintenant, enfin, ce que vous pouvez faire pour vous-même, c'est quitter l'Allemagne, arrêter de nourrir cet ogre, arrêter de nourrir par votre travail et les impôts de l'Allemagne de Merkel. Venez en Bulgarie construire. Euh, un projet avec des Européens d'Europe, voilà, euh, des Européens en Bulgarie. Alors, il euh, y a une autre personne dont je vais vous parler, parce que vraiment, mon idée, c'est vraiment de vous montrer que, finalement, je n'invente rien, en fait, avec cette évasion, euh, le, ce principe de cette évasion militante que prône également euh, Anatolie Livry. D'ailleurs, Anatolie Livry, dont j'ai parlé, qui, est, qui a sorti un ouvrage récemment sur, sur Bergman, le Bergman, qui apparemment avait des certaines affinités avec le, le national-socialisme à l'époque, à l'époque, bien sûr. Eh bien, Anatoly Livry envisage lui-même de peut-être quitter l'Occident et euh, de revenir vers l'Europe de l'Est, d'où qu'il qu il avait fui. Paradoxalement, à cause du communisme. Et là, on atteint un tel niveau de remplacement, d'abétisation, de stupidité à l'Ouest, bien que lui-même envisage peut-être de, de créer un nouveau foyer de résistance à l'Est, en Hongrie, en Bulgarie, en Pologne, partout où c'est possible, même en Russie. Et effectivement, puisqu'il est russe, ça s'y prête. Et donc, c'est exactement ce que prône Tatiana Festerling. Nous avons essayé de lutter en restant dans les, dans les, dans les clous, dans les règles du jeu en Allemagne. Ça n'a pas marché. Il y a un autre combat à mener ici qui est un combat tout aussi fondamental empêcher les migrants de rentrer en Bulgarie, le pays où je me suis installé, mais également finalement les empêcher d'aller en Europe de l'Ouest. Donc, même aux frontières, comme ça, aux confins de l'Europe, son travail a une utilité militante pour nous, enfin pour les Occidentaux qui choisissent pour X raisons de rester en France, en Allemagne, en Italie. Donc voilà, je vais vous parler aussi du, rapidement d'une autre. Euh, eh bien, non, parce que je ne l'ai pas. Attendez, je vais vous trouver ça. Tatiana n'est pas la seule, figurez-vous, parce qu'il y a une, une écrivaine allemande, plutôt une écrivaine de droite, qui elle s'est installée en, en, en Roumanie, à Sibiu. Alors le choix de Sibiu n'est pas si étonnant parce que Sibiu comme euh, Brasov euh, sont des villes qui historiquement ont été, ont été construites par des Allemands ethniques. Donc des, des foyers, des communautés d'Allemands sont restés à Sibiu et à Brasov, et elle a choisi d'aller à Sibiu. Alors cette nana s'appelle euh, Birgit Kelle. Alors Birgit Kelle, vous pouvez la trouver sur Facebook. Attendez, je vais essayer de vous trouver ça tout de suite. Le lien, c'est une écrivaine euh, de droite qui, a, qui milite euh, contre la théorie du genre, du genre, euh, théorie du genre, théorie du genre à l'école, euh, qui euh, voilà contre le, le, le progressisme et la décadence morale, euh, contre, euh, contre l'égalitarisme. Et évidemment, contre aussi euh, l'immigration, par la force des choses. C'est bien compris que si elle, si elle est partie à Sibiu, qui est une ville blanche par excellence, c'est pas pour rien. Et ça, c'est une nana qui est, très, euh, qui est assez connue, euh, une écrivaine euh, vraiment euh, qui d'ailleurs est, est amie avec pas mal de patriotes euh, de renom. Elle a également un Twitter. Si vous tapez euh, Birgit-KELLE, K-E-L-L-E, K-E-L-L-E, -L -L -E, eh vous allez également la trouver sur Twitter. Là, je vous mets euh, l'adresse de sa page. Euh, elle se définit comme journaliste, elle a 20 000, euh, elle a 20 000 followers quand même sur Facebook, c'est pas rien. Et elle, eh ben, elle s'est installée à Sibiu, voilà, coup Exactement, c'est une écrivaine de droite qui, pour être tranquille, ne pas avoir de problème avec les tribunaux, et euh, parler à un public qui est stupide de la comprendre, surtout que, même commercialement, c'est pas stupide ce qu'elle a fait, parce qu'il y a des un en Roumanie, il n'y en a pas beaucoup, mais suffisamment pour créer une, euh, des lecteurs, une clientèle, et, et, et être, et être le, la porte-voix de quelque chose d'important. Donc à Sibiu, elle, 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 elle transmet la bonne parole européaniste auprès de sa communauté germanophone, parce que je vous dis, il y a encore pas mal d'allemands à Sibiu, et également en roumain, parce que, eh bien, elle s'exprime également en roumain, ses bouquins sont traduits, etc. Vous voyez, l'évasion, ça fait que commencer. Je vous ai parlé d'Arnaud Gouillon, je vous ai parlé de Tatiana Festerling, je vous ai parlé de Birgit Kelle, d'accord et, et je, je suis également un exemple, ma foi. Euh, je suis moi-même écrivain, éditeur, euh, animateur d'émissions euh, culturelles européanistes, et euh, j'ai choisi de partir en Roumanie. Ce n'est que le début. Ce phénomène va toucher toute l'extrême droite occidentale, qui va comprendre qu'elle est plus utile dans ces pays-là où son, sa, 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 sa parole trouve un écho, euh, que en France, en Angleterre, je le répète, ou en Allemagne. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Avant de conclure, je vais vous montrer une petite vidéo. <laughs> je, je ne peux pas m'en empêcher euh, parce, que, bah parce que ça fait plaisir. Je vous montre la vidéo, on la commente après. Je me suis dit que, comme vous savez, je vais faire une trêve là parce que hum, ma femme entre, euh, entre à l'hôpital euh, pour être euh, accouchée de force. Bon, bref, euh, je vous la fais courte. Mais en gros, euh, pendant 5-6 jours, euh, une semaine, elle ne sera pas là. Ensuite, mon fils va arriver à la maison. Bon, je vais en profiter quand même quelques jours. Je vais prendre. Allez, une dizaine de jours de repos sans live, après je reviens. Euh, je vais vous manquer, j'espère. Et en attendant ce moment-là, eh bien, je voulais terminer par ce, cette petite vidéo sympathique qui est courte. Alors ne bougez pas, au début, vous allez peut-être entendre la musique d'intro. C'est normal, je, je, je bidouille et j'arrive dans deux secondes. /a. Oui, je, je la repasse, c'est absolument exceptionnel. Regardez ça. Je vais je vais la repasser mais regardez-moi ça, c'est assez fantastique. Ah mais j'ai pleuré de rire quand je l'ai vu. Oh,

Content et, et même, euh, euh, dès le début, agressif. Hein C'est-à-dire, euh, on, euh, on est sur la démonstration d'une euh, joie qui est très racaillesque. En fait, genre, ouais, frère, on est en Italie, nanani, on vous baisse, on baisse vos mères, on baisse vos grand-mères. à t es, t es, t es, t es, au lieu de te faire euh, profil bas, genre, euh, merci. Normalement, quelqu'un qui, qui vient de l'enfer, voilà, il a connu l'enfer. Il euh, clandestin, il a traversé la mer déchaîné Si t'écoutes la presse de gauche, c'est absolument horrible de traverser la Méditerranée, tu vois quoi. Bon, euh, nos ancêtres faisaient ça en fait plus ou moins à la nage, mais c'est pas grave. Hein, bref, bah oui, il y a des non, mais j'exagère, non. Bah je suis désolé, il y a des blancs qui traversent à la nage l'Atlantique. La, la, Donc bon, on va pas me faire croire que traverser la Méditerranée sur un radeau euh, de journées c'est compliqué. Bref, bon, mais certains apparemment ont des problèmes et ils ont un peu un souci avec la nage de, de ce point de vue-là. Mais c'est pas le sujet. C'est que toi, tu arrives, tu es accueilli par un pays, normalement, tu es là en mode euh, à la japonaise, quoi. On m'a <laughs> désolé, je suis idiot, j'ai échoué dans mon pays. Est-ce que vous voudriez bien me faire une petite place dans le vôtre Je vous en serai éternellement reconnaissant. C'est ça, le comportement d'un migrant. Rien que par leur comportement, déjà, ils n'ont rien à foutre, là, quoi. À la première seconde, ils sont expulsables par la médiocrité et la, plus, plus que ça, la, la, la vilenie de leur comportement. Eux, ils arrivent en mode Italie Italie, ouais, vas-y Comme s'ils avaient marqué un but, quoi. Et en fait, ces gros cons, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ils n'ont pas compris que, ils ont pas... Ils sont pas arrivés sur les côtes italiennes, mais simplement, ils ont été ramenés aux côtes libyennes, et qu'en fait, direction à casa, tu rentres chez ta mère <laughs> Oui, faire un la Manche Non, non. La traversée de l'Atlantique à la nage, je ne dis pas de conneries, je ne crois pas de connerie. il me semble que ça existe. Évidemment, ça a été... Euh, en, 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 comment dirais Encadré. Donc, le mec, il n'est pas parti tout seul, évidemment. Il n'est pas parti tout seul, mais il y avait des bateaux autour, des fois, il faisait des pauses, etc. Ça a pris 20 jours. te trouvé cet article, mais ça existe. Bon, il y a des conditions, j'exagère un peu. Mais la manche, oui, c'est sûr, on l'a traversée. Il y a même un blanc qui avait les membres coupés, voilà, qui a traversé ça avec, juste avec des palmes. Donc, euh, il, il avait... Euh, ah non, non, en fait, il avait quatre membres coupés, et il lui restait juste les troncs. On lui a mis des palmes sur les troncs, il a traversé la manche, tu vois. Bon Voilà, bon, voilà. Bref, mais je me suis dit qu'une petite vidéo comme ça, ça vous ferait plaisir. 1 hein euh, J'ai envie de dire, euh, on a ce qu'on on a, on a ce qu'on récolte, on sème ce qu'on récolte, et euh, ça fait plaisir. D'ailleurs, les vues sont un peu remontées. <laughs> oui, voilà. En gros, la Méditerranée, c'est pas le caporne, quoi. Surtout quand tu pars de, de la Libye pour, euh, pour aller euh, sur une île Libye-Sicile, mais je, je déconne pas, je m'entraîne un an et demi encadré quand même et un jour où il fait pas où il pleut pas des cordes on va dire en plein mois d'août au départ de la Libye moi je le fais hein, parce que je suis très bon nageur je le fais je vous assure c'est c'est bah je vais le faire allez <laughs> non, mais, non mais problème c'est que j'aurais pas les sponsors pour ça pour m'aider pour me coacher si je me noie quand même pour m'aider un petit coup mais je vous assure que je, je peux le faire je, si on m'indique la direction, voilà, s'il y a quand même, j'ai une boussole pour savoir je nage pas dans le mauvais sens euh, vers le détroit de Gibraltar. Euh, mais tu la vois à la côte, et tu, tu la vois, tu la vois la côte. Bon bref, peu importe. Mais ce qui est certain, c'est que c'est des petites anecdotes qui font plaisir. Il y a un autre truc qui est vrai. Euh, je crois que j'en avais fait un article il y a longtemps, mais je ne sais pas si c'était pas sur ce vélo. -s. Il y a des migrants qui avaient échoué en Roumanie et ils avaient échoué dans un dans un, je ne sais pas comment ils étaient arrivés là, mais ils avaient dans un village qui était germanophone, comme il en existe. Euh, en Transylvanie, il y a des villages où ça parle hongrois d'ailleurs entièrement, et d'autres où ça parle euh, plutôt euh, allemand. Et en fait, ils ont cru qu'ils étaient arrivés en Allemagne. <laughs> Donc ils étaient là en mode, ouais, ouais, ouais Maintenant, <laughs> les autorités roumaines sont arrivées en mode, bon, euh, bah vous dégagez quoi. Et donc, ils ont, ils ont essayé de sortir leurs quatre Pokémon. Mais attendez, j'ai le droit d'asile, c'est marqué ici. Comment, en Allemagne Vous êtes des nazis, c'est ça Ah, mais vous n'êtes pas en Allemagne, monsieur, vous êtes en Roumanie, en fait. Oh Choqué Mais, je suis choqué là Oh non <laughs> Comment je vais faire pour aller maintenant en Allemagne, là, c'est loin Il n'y a même pas la mer. Comment je... Mais comment je... Ben, tu marches, je sais pas, tu te démerdes. <laughs> ça, c'était en 2016, mais c'est vraiment arrivé, hein ils étaient là, waouh, 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 les dimanches à Bamako, c'est les jours des mariages. Ah, ils sont vraiment gentils ces Allemands, mais ils ont, ils sont un peu bruns de peau, c'est bizarre. Hein On imaginait l'Allemand euh, comme ça de deux mètres, c'est bizarre. Hein Qu'est-ce que je fous ici C'est quoi leurs histoires avec des ours C'est quoi ça Des Mitch C'est quoi les Mitch ah, Ouais, d'accord. Ouais. On est vraiment en Allemagne Bah ben, non. <laughs> Ta mère, voilà quoi. Bon bref, donc je termine ici ce dîner euh, express euh, pour rester quand même dans mon dans mon euh, concept. Je vous ai pas montré ce que j'ai bouffé, allez finalement c'est pas si important, j'ai l'impression que ce, ce petit rituel saoule tout le monde. On se retrouve dans une dizaine de jours. Je vous tiens au courant au réseau, dans les, sur les réseaux sociaux de la naissance de mon fils. Une petite photo fait toujours plaisir. Je vous renvoie la description de la vidéo, Superdanylive.com si vous voulez revoir tous les lives qui sont mis en privé ou qui ont été supprimés de YouTube et voir les nouveaux. Alors j'ai compté là, je, je crois que je suis à une quarantaine de lives privés quoi. Déjà, hein, depuis, le, depuis le mois de mai, et euh, ça fait que commencer. Bien sûr, me rejoindre également sur Telegram, T.me. Conversano. Je vous ai mis un lien vers euh, ma newsletter. Euh, D'ailleurs, dimanche dernier, je vous ai envoyé un courrier. Hein. Donc euh, bah, c'était avant. Bah, c'était hier. Hier, je vous ai envoyé un courrier. Donc si vous êtes abonné à la newsletter, vous l'avez pas reçu, Recherchez dans la rubrique spam, recherchez dans promotion, notification. Tapez Daniel Conversano dans votre barre de recherche. De votre outil mail, quel qu'il soit, Gmail, Yahoo, tout un autre appareil, ton mail peu importe. Euh, et vous allez me trouver. Quand vous me trouvez, lisez, euh, bon, le message n'est pas très important, mais lisez-le et vous mettez dans boîte de réception. Comme ça, les prochains messages atterriront dans boîte de réception. Tous les dimanches, voilà, je prends cette habitude. Même quand je ne produis pas de vidéo, je vous écrirai un petit, un petit message. Bon, je vous ai mis évidemment le, le lien de la communauté des Braves qui est implantée dans toute l'Europe, vous le savez. Et j'insiste vraiment, si vous voulez à la fois m'aider à, à grandir, et à devenir, euh, je veux dire, à, à m'imposer voilà, comme l'idéologue voilà, de, de, du, du prochain, de, de la décennie. Parce que vous savez que la décennie 2020 commence en fait en 2021. C'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Rejoignez-moi sur Super Dane Live parce que je vous le dis l'avenir pour nos idées ne sera pas sur YouTube. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on va être dégagé de YouTube, j'en suis certain. Et donc, si vous voulez que je travaille à une alternative, ce que je suis en train de faire, il faut me soutenir. Il faut me soutenir par votre présence et euh, votre mobilité est importante. C'est-à-dire quand on vous dit euh, ici je vais être censuré, venez là, venez là. C'est pas grand-chose. Comparé à ce que je fais, je fais des lives quotidiens depuis un mois, euh, j'écris des bouquins, j'en édite, ça fait, ça fait cinq ans que vous voyez ma gueule et que je vais dans, je vais dans tous les sens. La moindre des choses, ce que j'attends de vous, c'est de la mobilité militante. Quand je vous dis venez sur Telegram, venez sur Telegram, quand je vous dis laissez-moi votre adresse mail, laissez-moi votre adresse mail, quant à Super Danny Live, eh bien, je suis persuadé, jusqu'à présent, J'équilibre je, je, entre des lives privés et des lives publics, et bien quand je ne serai plus sur YouTube, et ça va arriver, il n'y aura plus que ce moyen pour moi de produire. C'est déjà le cas de Dieudonné. Hein. Dieudonné a travaillé à son autonomie, il a été complètement banni de YouTube, il ne peut plus y refaire une vidéo. Et même si idéologiquement je ne suis plus, je ne suis pas d'accord avec Dieudonné, si je suis d'accord avec sa stratégie commerciale. S'il n'avait pas fait ça, eh bien, il aurait perdu énormément de. de un, un chiffre d'affaires considérable. Donc, évidemment, il aurait été moins bon, il aurait fait moins de. Comment dirais-je. Mais il aurait arrêté, petit à petit, petit à petit, sa production. Et en faisant son truc, là, euh, son, euh, son espace privé, eh bien, maintenant, il peut produire des vidéos autant qu'il en veut, euh, sur un espace sécurisé, dont il est le seul propriétaire. Personne ne peut l'emmerder. Bon, éventuellement, s'il fait un truc très, très euh, illégal, il peut avoir, il peut quand même avoir des problèmes avec la loi. Hein. Le, être en privé ne, ne, ne fait pas que vous êtes, euh, comme ça, chat -perché. Par contre, euh, vous êtes tranquille, on ne supprime pas votre contenu, le lien que vous avez avec vos followers, vous ne le perdez pas. Et donc l'avenir, c'est un commentarisme engagé. Et engagé par quoi Eh bien par le soutien, par le soutien mensuel, par l'abonnement euh, à des espaces totalement libres, comme c'est le cas de Danny Live. Je vous remercie, on se retrouve dans quelques jours. Et puis si vous voulez des nouvelles de moi, ben, venez sur Telegram, je communique tous les jours dessus. Ou abonnez-vous à la mailing list. Ciao, ciao, j'espère que ce, ce live vous a donné des... Bah, le sourire il vous a donné envie aussi de vous évader, parce que je peux vous assurer que pour nous, c'est l'avenir. Ciao les gars!